Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, que tout va bien, que vous avez du positif dans votre vie. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de ce fameux nombre 960. Vous savez ce que c'est? 960. Vous avez une idée? Non, pas d'idée? Allez, je vais vous le dire. 960, c'est le nombre le plus important pour vous. Pourquoi? 960, c'est le nombre de mois que un humain vit en moyenne dans sa vie à l'heure actuelle. Bon, il y en a qui ont de la chance, qui vivent un peu plus. Mais en général, c'est 960 mois. Ça correspond à peu près 80 années. C'est la moyenne, quoi. Il y en a qui ont plus de chance, qui vivent un peu plus, mais c'est 80 années. Vous vous rendez compte? 960 mois. Fait pas beaucoup, je trouve, hein. 960 mois. Ouh là là, vous voyez, quand on pense différemment, on pense plus en années, parce qu'en années, on est tellement habitué, on se dit, oh, j'ai encore 40 ans, 50 ans à vivre, oh, j'ai tout le temps. Non, c'est pas vrai du tout, tu n'as plus tout le temps. Tu n'as plus tout le temps du tout. Ça passe trop vite, converti seulement en mois. Et que tu vois, à l'heure actuelle, si tu as 40 ans, il te reste 450 mois à vivre. Tu te rends compte? 450 mois. Alors je te donne les chiffres, il y en a qui ont un peu plus de chance. Si tu as 35 ans, il te reste 540 mois. Ça fait pas beaucoup non plus. Tu crois que ah, tu es plus jeune, tu as la trentaine, tu auras plus de chance. Non, mon gars, il te reste, allez, 500, 540 mois à vivre. Si tu as seulement la trentaine, tu te rends compte? Si tu rencontres des gens, tu leur dis « Oh, il me reste 500 mois à vivre. » Les gens vont dire « Oh, tu n'as pas de chance, mon gars. » Bah ouais. Bah ouais, 500 mois, ça passe à une vitesse incroyable, tu te rends compte? Incroyable, 500 mois. On a la quarantaine, il nous reste 450 mois. Je te donne d'autres chiffres. Si tu as la cinquantaine, il te reste 360 mois. Waouh, 360 mois si tu as la cinquantaine. Ça fait pas beaucoup, tu te rends compte? Waouh, là on se rend compte que la vie est ultra courte, hein, que ça passe ultra rapidement et qu'on n'a pas du tout tout le temps. Non, c'est pas vrai quand on se dit on a 30, 40 ans encore à vivre. Non, c'est pas vrai, il te reste 500 mois, mon gars. 500 mois dans 500 mois, même moins si tu as la quarantaine, il te reste 450 mois. Waouh! Après, on plie bagage, quatre planches sous terre et c'est fini. Ciao! Waouh! Tu te rends compte? Waouh! Dernier chiffre, si tu as la retraite, tu as 65 ans, il te reste, écoute bien, 180 mois. Bien sûr, si tu as aucun pépin, tu vis en parfaite santé jusqu'à 80 ans, 180 mois quand tu seras à la retraite. Tu te rends compte? Il est trop tard à la retraite, on n'a plus le temps de faire des choses. Ça passe à une vitesse incroyable, la vie est ultra courte, les amis. Donc, voilà le petit message que je voulais faire passer. Si on arrête de compter en années, on compte en mois, on se rend compte que la vie est ultra courte. Vous vous rendez compte? Si vous restez 500 mois à vivre, incroyable, hein? 500 mois, il te reste à vivre. Waouh! Incroyable. Alors, partant de là, maintenant tu sais que la vie est ultra courte si tu comptes en mois. Que vas-tu faire? Tu vas rester figé dans ta vie monotone pour les 400 à 500 mois qui te restent à vivre? Ou vas-tu te bouger le cul? Excuse-moi l'expression, mais il faut que tu te bouges le cul. Tu vas réaliser tes rêves. Si, parce que tout le monde a des rêves. Tu vas réaliser tes rêves, tu vas pas te donner des excuses. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, je manque de temps. Oh, ceci, cela. Tu vas arrêter de te prendre la tête pour des broutilles. Oh, on a éraflé ma voiture. C'est n'importe quoi. Tu vas te prendre la tête pour une voiture éraflée. Il te reste 400-500 mois à vivre. C'est n'importe quoi. Tu vois, pour des broutilles, va à l'essentiel, réalise tes rêves, mets tout en œuvre pour réaliser tes rêves. Tu as envie de voyager, vends ta bagnole à 20 000 euros et va voyager. Voilà, c'est simple, au moins tu auras accompli un de tes rêves.
Tu vois, déjà, voilà, mets des actions en place pour réaliser tes rêves. Va à l'essentiel, va à ce qui est important pour toi. Fais des choses qui te rendent heureux dans la vie. Si tu es malheureux où tu es, c'est ta faute. C'est entièrement de ta faute. Il te reste 400 à 500 mois à vivre. Donc, change les choses. Fais en sorte que ça va mieux pour toi. Fais tout en œuvre et va très vite. Mets tout en œuvre. Essaye de faire rapidement les choses. Parce que la vie est aussi rapide. La vie est encore plus rapide que toi. Donc, va à l'essentiel. Fais tout pour être heureux. Réalise tes rêves. Essaie de réaliser les rêves des personnes qui te sont chères. Voilà, comme ça, tu seras heureux dans ta vie. Tu n'auras aucun remords à la fin de tes jours. À la fin de tes jours, tu n'auras aucun remords. C'est comme ça que tu seras heureux. Voilà, le message que je voulais faire passer, les amis. Alors, si tu as des amis, demande-leur combien de mois, s'ils savent combien de mois il leur reste à vivre. Ensuite, partage cette vidéo avec eux ou partage cette vidéo sur ta page. Comme ça, un maximum de personnes prendront conscience du nombre de mois qu'il leur reste à vivre et prendront conscience qu'en converti en mois, c'est pas beaucoup du tout. Il nous reste 400-500 mois au moment où on regarde cette vidéo, 600 pour ceux qui ont la vingtaine. Ça c'est rien du tout. Qu'on se dit, waouh, il me reste entre 400-500 mois à vivre. Là, il faut se bouger, hein. Il faut se bouger, ça passe à une vitesse incroyable. Donc voilà, les amis, le message que je voulais faire passer. Faites savoir à tout le monde le nombre de mois qu'il leur reste à vivre. Partage cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mets-moi un gros like. Abonne-toi à ma chaîne si ça te dit. C'est sans douleur. C'est conseillé pour la santé. À bientôt. Allez, ciao, les amis.